D'un côté, Mélanie Barbeau, à la tête de cette société de peinture sur pièces métalliques. Hey Tim, Romain, il a appelé, les pièces, elles sont prêtes ? Oui, elles sont prêtes. De l'autre, Carole Gola, consultante en numérique. Deux univers qui ne se croisent pas a priori. Et pourtant, les deux femmes sont très proches depuis 3 ans. De toute façon, ça va le faire, t'inquiète pas. Tu vas voir, tu vas cartonner. Les deux entrepreneuses sont devenues amies. Pendant 2 ans, Mélanie a été la marraine de Carole, alors qu'elle était en pleine phase de création d'entreprise, une période de travail très solitaire. Alors, ce qui m'intéressait, effectivement, c'était de rompre la solitude et avoir des conseils bienveillants, en fait, sur comment se passent les différentes étapes en tant que chef d'entreprise. On a, en fait, les mêmes préoccupations et les mêmes freins. Des conseils précieux à travers un réseau de femmes chefs d'entreprise à l'écoute, c'est un privilège dont Mélanie Barbeau aurait bien aimé pouvoir bénéficier à ses débuts. Nous, en 2012, quand on a démarré l'activité, j'aurais aimé avoir une marraine, avoir des retours d'expérience. Je pense que la parole est plus libre. On n'a pas peur de se dire ce qui ne va pas. Je suis partie de réseaux d'entreprises également mixtes. Dans ces réseaux-là, on met plus en avant ce qui va bien. Et on fait moins part de ces petites galères. Derrière cette relation marraine-filleule, une association qui depuis 12 ans réunit les femmes patronnes. Objectif, multiplier les vocations d'entrepreneuriat au féminin. Beaucoup de jeunes femmes ont du mal, se posent des questions sur l'organisation de leur vie, de leur vie de famille. Et d'avoir des exemples vivants et de pouvoir discuter simplement avec des femmes qui ont fait ce même cheminement, c'est un atout pour des créatrices et qui est indéniable. En Charente-Maritime, elles sont plus de 8000 à avoir tenté l'aventure, mais elles ne représentent encore que 28% des dirigeants du département.